Nouveau rendez-vous à venir sur les antennes de France Télévisions. Selon une information de nos confrères de Télé Loisirs, le journaliste Karim Rissouli est sur le point de prendre la tête d'une nouvelle émission, Voyage en territoire opposé. Le principe est simple, ce dernier proposera à des personnalités d'aller sur le terrain à la rencontre de personnes qui pensent de manière radicalement différente d'elles. Nous sommes partis du constat qu'en France, les gens ne se parlent plus. Il y a plusieurs France avec des personnes qui ont des points de vue irréconciliables sur des sujets de société par exemple, a expliqué Nicolas Daniel, le responsable des magazines de France Télévisions. Ce ne seront pas forcément des peoples, mais des personnalités issues du monde intellectuel, a-t-il ajouté. Déjà à la tête de la quotidienne C'est ce soir, Karim Rissouli aura pour rôle de créer des moments de médiation et de mettre en perspective les arguments des uns et des autres afin de créer des discussions enrichissantes pour tous les protagonistes. Nous pensons que si est notre rôle de service public de tenter de dépasser la polémique permanente pour essayer de retrouver des manières de se parler, a conclu Nicolas Daniel. Voyage en territoire opposé débutera en 2023. Ce nouveau programme débutera dans les prochains mois et sera produit par Together Media, la société de production de Renaud Levanne Kim, qui est également à la baguette de C'est ce soir. Lancé début 2021, C'est ce soir est un des rendez-vous à succès de la chaîne et réunit depuis la rentrée une moyenne de 330 000 téléspectateurs du lundi au jeudi. Karim Rissouli sera-t-il capable de faire de Voyage en territoire opposé un nouveau succès? Réponse dans les prochains mois.